la nuit, tu cries dans les rues, Gabriel, Gabriel. Non. Ça, c'est une autre philosophie qui s'appelle Johnny. Non. Varima yotzi min alev. C'est quoi le lev? Oui, on l'a expliqué plusieurs fois pour les redoublants, je m'excuse. C'est pas le regesh, c'est pas le sentiment, c'est pas la passion. Non, le cœur, c'est le centre de la personne. Akol novea me alev, tout vient du cœur. Vous rappelez l'exemple du compas ou non? Vous connaissez le... Non? Pas par toi. Non? C'est bon, écoutez ça. Il y a une petite vidéo qui dure 7 minutes. En fait, c'est on a prélevé un morceau d'un cours à moi. Et cette vidéo, elle fait un massacre sur Internet, notamment chez les francs-maçons. C'est un phénomène. Et des présidents de loges maçonniques, ils m'ont dit, vous savez, quand on fait un gros séminaire avec 300 personnes, on leur passe la vidéo du cercle et après, on en débat pendant 2 heures. Alors qu'en fait, la vidéo, elle dure 7 minutes et elle est basée sur une phrase du Maharal. Donc, c'est-à-dire une phrase du Maharal, ça a de quoi de faire réfléchir des gens qui, attends, c'est des professeurs, des médecins, des chercheurs. C'est pas des Baha. Hein. Donc je vous donne l'image. Le Maharal, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Avec quoi un trace un cercle? Avec un compas. Le compas est un outil très très intelligent. Ouais. La preuve, c'est que son nom en verlan l'exprime très bien. Et le compas, il a 2 pointes. Une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Le crayon, il glisse, la pointe, elle plante. OK. Maintenant, quand vous tracez un cercle, vous plantez la pointe et vous tracez le cercle. Le cercle, c'est quoi? C'est ce qui va apparaître. C'est quoi? C'est en fait une droite dont les deux extrémités se rejoignent. Une droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points. Ces points, ils sont tous reliés au centre du cercle par ce qu'on appelle le rayon. Maintenant, le rayon, c'est quoi? C'est le lien entre la pointe, qui correspond à la akhlata, la décision, et le point dans le cercle qui correspond à la réalisation. Maintenant, toujours Abdesler, il dit akhlata zechati asiya. Ouais, la décision, c'est la moitié de la réalisation. Quand vous connaissez la démarche de réalisation, c'est-à-dire que vous avez l'acte à l'extérieur, la parole à l'extérieur, l'attitude à l'extérieur, qui est le fruit d'une démarche qui est passée par une vocalisation, et avant ça, par une réflexion, et avant ça, par une impulsion. Ouais. Et cette impulsion, elle est où? Elle est au niveau de la pointe du compas, au niveau du centre du cercle. Ça va? Le problème, ça s'appelle la traçabilité. Maintenant, tu es censé, quand tu es quelqu'un de normal, savoir quand tu as dit quelque chose, pourquoi tu l'as dit. Quand tu as fait quelque chose, pourquoi tu l'as fait. Quand tu as pensé quelque chose, pourquoi tu l'as pensé. Les trois quarts des gens, ils disent, écoutez, je ne sais pas, j'avais un truc, il fallait que ça sorte. Non, toi, tu confonds parler et roter. Ça n'a rien à voir. C'est aussi une forme d'expression, puisque grâce à ça, on sait ce que tu as mangé à midi. Mais ça ne s'appelle pas parler. Parler, c'est exprimer. Ouais. Donc, de la même manière, tout ce qui va apparaître dans ta vie, c'est le cercle. Ça va être le fruit du centre. Ouais. Le centre, dans le langage des Khamim, s'appelle le lève, s'appelle le cœur. On dit en français le cœur du problème, le cœur de la ville, le cœur du fruit. Vous avez bien compris que la ville, elle n'a pas un cœur qui est en train de battre. Donc, quand on dit « Akol novea me'alev », tout vient du cœur. En vérité, c'est l'essence de ton être. Moi, j'appelle ça la source de l'impulsion première, le centre décisionnel. Maintenant, ce centre décisionnel, d'où tout part, les événements qui vont être développés t'appartiennent seulement si c'est toi qui es aux commandes. Très important. Donc ça, c'est un autre cours que je ne vais pas refaire parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà écouté. Ouais. Mais vous pourrez l'écouter. Ça s'appelle le droit d'être, le respect de soi, exister. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous marquez exister, il y a plusieurs cours. Écoutez-les avant de mourir, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Puis si vous voulez épouser quelqu'un qui existe et coexister avec quelqu'un qui existe, essayez d'exister avant. Parce que vous ne pouvez pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas si vous-même n'existez pas. Maintenant, ne confondez pas être vivant et exister. Parce que exister, c'est ister, être, ex, à l'extérieur. Ça s'appelle se réaliser. Non, tu peux rentrer dans la réalité quand il y a quelqu'un dedans à réaliser. Mais s'il n'y a personne dedans, et comme le mot personne veut dire personne et personne,
Donc si tu n'as pas développé ta personne, donc tu es personne. Et quand tu es personne, tu ne dois pas t'énerver de ne pas avoir le respect qui est dû à la personne, puisqu'au fond, tu sais que tu es personne. Voilà, c'est le début de la thérapie. C'est bien. En tout cas, pour rester concret en un seul mot, ouais, c'est que le compas, il exprime très bien cette idée. C'est que vous pointez le compas, vous tracez le cercle. Maintenant, vous qui êtes des esprits aiguisés et rapides, est-ce que ce même cercle, je peux le tracer, mais en mettant le compas en dehors du cercle? Non, si je mets la pointe en dehors. Si je mets la pointe en dehors, je vais tracer un autre cercle, mais ce cercle-là, je ne peux le mettre qu'en mettant la pointe à l'intérieur. Maintenant, mon cercle, vous avez compris que c'est ma vie. Ouais. Maintenant, ma vie, elle est le fruit de quoi? De mon choix, de mon influence. Donc, ce que vous tracez, en français, ça s'appelle mon cercle d'influence. Si vous avez le bras long, vous pouvez élargir votre cercle d'influence. Il y a des gens qui vont influencer 50 000 personnes dans le monde, et il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire asseoir leur chien. Coucher. C'est bizarre, non? Tu as son cercle d'influence, il est très restreint. L'autre, son cercle d'influence, il est très large. C'est toi qui décides. Il y en a qui gèrent 4 milliards de personnes sur leur site internet, ouais, et des gens qui comprennent pourquoi, ils comprennent même pas pourquoi la peinture, elle tient sur les métals. C'est comme ça. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que quand vous tracez un cercle, encore une fois, la pointe, elle est toujours à l'intérieur du cercle. Parce que si la pointe, elle est en dehors du cercle, donc c'est à cause de ou grâce à que vous tracez votre cercle. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on peut tracer un cercle qui est plus petit que la pointe du compas? Non? Vous hésitez quand même. Hein? Je vais peut-être baisser le niveau. Mais non, on ne peut pas faire un cercle plus petit que la pointe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être plus nul que son potentiel. Maintenant, il y a des gens, leur compas, il est spécial. Il a deux pointes. Donc quand ils se pointent, ceux-là, et qu'ils se plantent, ils ne bougent plus. Et pour exister, ils sont obligés de déchirer tout ce qu'il y a autour. Il y a des gens, leur compas, il y a deux crayons. Donc ils n'arrivent pas à pointer, ils glissent. Donc quand ils font un cercle, automatiquement, ils en font un deuxième en même temps. Alors, chez les gens moyens, ça s'appelle une double personnalité. Chez les graves, ça s'appelle des bipolaires. Parce qu'en fait, ils ont deux vies. À la maison, ils ont l'accent marocain. Au travail, ils ont l'accent breton. Je dis, mais comment tu fais? 10 ans d'orthophonie. En fait, c'est des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Ouais. Donc, dans cette logique-là, si vous comprenez ça, de la même manière, toi, tu veux aller chercher l'intériorité des choses.